Saturday. Drop into No Yell Motel if you dare. No. A most chilling experience is waiting for you. Enter the world of Goosebumps on Fox Kids and search for fascinating phenomena. I'm receiving reports of amazing creatures appearing all over the city. These monsters may be people that have been transformed. This is... The television series. Things are not always what they appear to be. Urgent suspense. R.L. Stein. What's inside the Goosebumps family album? A slappy and sneaky, kids that are creepy, flying piano teachers, and eye-popping creatures. It's a ghost, not a dream. It's as frightful as it seems. Every picture's worth a thousand screams. Does that scare you? Experience on Goosebumps, premiering November 3rd on Fox Kids. Watch it with a friend. Personnages qui pleurent, c'était vraiment triste. De les voir, ça m'a rendu totalement triste. Et aujourd'hui, je voulais leur rendre hommage en leur parlant de ces âmes oubliées de Ghostbump. Tous ces objets-là, tous ces personnages-là, n'ont pas de produits dérivés, ou très peu sur eux. Alors que certains, comme Slappy, l'horreur, le mode monster, ont des centaines de produits dérivés sur eux. Donc aujourd'hui on va parler, comme vous l'aurez compris, des personnages de la série Ghostbumps qui ont apparu soit dans la série télé ou dans les livres, qui n'ont pas de produits dérivés ou très peu de produits dérivés sur eux et qui en méritent plus. Le premier, ça va être la femme de Slappy, donc il y a l'épisode où il se marie avec la femme, soi-disant femme. On n'a pas de produits dérivés sur elle. On a beaucoup de produits dérivés sur Slappy, mais sur ce personnage-là, on a juste un t-shirt que je vous montre. On n'a pas de produits vraiment dérivés sur ce personnage-là, qui est quand même un personnage officiel et qui est apparu quand même dans un livre et dans la série télé. Donc il y a juste la couverture d'un livre et un t-shirt sur elle, mais il n'y a pas d'autres objets, alors que Slappy, il y a toujours que pour les garçons, de toute façon. Donc c'est comme ça. Hein. Ensuite, on a Beast from the East, donc qui est jeu de monstre en français. Il y a eu juste une petite figurine de Scarepack dessus. Il y a eu un t-shirt également aussi dessus. Mais c'est un personnage quand même qui est récurrent dans les livres Chair de Poule, qui est un personnage important et qui n'a que deux produits dérivés sur lui. Donc c'est vraiment très très peu. Il y a des produits dérivés qui n'ont rien à voir avec Ghostbumps, qui sont juste des araignées ou des choses comme ça classiques, qui ont plus de produits dérivés que lui. Donc c'est quand même quelque chose qu'il ne faudrait pas l'oublier, celui-là. Ensuite, on a bien sûr tout ce qui va être le bonhomme des neiges. Non, pas l'homme des neiges. Le bonhomme des neiges, donc le bonhomme des neiges qui est justement... qui a très peu de produits dérivés sur lui.
voire aucun. D'ailleurs, j'en connais aucun. Peut-être qu'il y a un t-shirt qui existe sur lui, mais j'en connais pas. C'est juste qu'il a une couverture où on peut le voir, mais il n'y a pas de produit dérivé sur lui. Il n'y a pas de jouets, il n'y a pas de petites figurines comme ça. Il n'y a pas de voilà, il y a rien du tout. Il n'y a pas de présentoir sur lui. Donc c'est un personnage qui est carrément oublié. Donc c'est pour ça qu'en intro j'ai mis des personnages qui pleuraient, c'est parce que c'est des personnages vraiment qui sont oubliés de la série et qui devraient avoir plus de produits dérivés sur eux, et ils auraient dû faire un petit peu moins sur Curly, sur Slappy, tout ça. Ils auraient dû en faire plus sur ces personnages là qui sont importants et que l'on va voir. Ensuite on a le chien de Curly. Donc on sait que Curly a un chien, et ce chien là bien sûr n'apparaît que dans, sur les photos de couverture. Il n'y a pas de produit dérivé sur lui. Ça aurait été cool d'avoir quelque chose qui a un rapport à celui-là. Donc bien sûr, voilà, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. Ensuite, il y a un autre personnage qui est un extraterrestre, donc qui est dans Reader Beware, dans les Give Yourself des Ghostbump, qui est un extraterrestre. Donc ils auraient dû faire plus de produits dérivés sur les extraterrestres. Ils en ont fait sur l'œuf de Mars. Des produits dérivés que je peux vous montrer. Par exemple, ils ont pu faire cette figurine sur un extraterrestre, mais ils n'ont pas fait d'humain avec une tête d'extraterrestre comme moi là. Ils auraient dû faire une figurine comme ça sur justement les personnages avec les justement des humains à déguiser en personnages, donc du coup qui sont apparus néanmoins dans les films. Donc je vous mettrai un des extraterrestres qui sont dans les films, mais ils sont pas apparus tout simplement en figurine, en produit dérivé dans les années 90 ou dans les années 2000. Ensuite on a tout ce qui va être alors maison hantée. Donc ça, il y en a eu très peu de maisons hantées. Il y a eu bien sûr la magnifique boîte à chaussures qui est ici, que je peux vous mettre. Il y a eu des puzzles qu'on pouvait construire en 3D, d'ailleurs que je pense acheter sur cet objet là. Il y a eu des t-shirts, mais il n'y a pas eu beaucoup d'objets sur les maisons hantées particulièrement. C'est un thème qui est très très rare dans l'univers Ghostbump. Pourtant dans beaucoup d'épisodes, que ce soit le fantôme décapité, la maison des morts ou quoi, il y a beaucoup de maisons qui sont hantées et on en retrouve très peu dans les produits dérivés. Ensuite, il y a une horloge, donc c'est pas la Clock of Doom celle-ci, c'est justement une horloge spéciale qui apparaît dans un livre. Donc c'est sûrement dans l'épisode où on remonte le temps, et cette horloge permet de, justement de remonter dans le temps. Mais on n'a pas de produits dérivés sur les horloges, c'est-à-dire que même sur la Clock of Doom, on a juste la petite figurine des Scarpa que je peux vous mettre là, mais on n'a pas vraiment d'horloge avec l'oiseau qui sort, ou alors tout simplement une horloge de ce style là en produit dérivé, que ce soit vraiment je parle beaucoup de figurines parce que c'est beaucoup des choses que j'aime là, mais ils auraient pu faire par exemple un grandeur nature avec les initiales Ghostbump. Ils ont sorti justement des clocks, donc des horloges, que ce soit des petites horloges ou alors sur l'horaire ou quoi, mais ils n'ont pas sorti vraiment une grande horloge de ce type là en produit dérivé. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est un produit qui est même super cool. Ensuite on a bien sûr un classique qui est Nuit des disparitions, donc l'extraterrestre. On revient sur l'extraterrestre avec la tête de citrouille. Ça, on l'a jamais vu en produit dérivé, il n'est jamais apparu. C'est vraiment dommage parce que c'est quand même un personnage classique. C'est d'ailleurs il est ici. Celui-là, on n'a pas eu de produit dérivé. Ça, c'est un t-shirt qui n'est pas officiel. Donc, on n'a pas eu de produit dérivé vraiment dessus. Je suis en train de dire on n'a pas de produit dérivé alors que j'ai ça dessus. Mais non, en fait, on n'a pas eu vraiment de choses vraiment qui sont en lien directement avec ce personnage-là. Ça aurait été bien une figurine où on peut justement déplacer sa tête et justement avoir la tête d'alien dessous, ou alors quelque chose qu'on pouvait peindre, quelque chose comme ça. Ça aurait été sympa, ou un petit présentoir tout simplement. Ça aurait été sympa, mais bon, ils n'ont pas fait ça, c'est leur choix. Ensuite on a Clown Palace. Donc Clown Palace qui est aussi
Clown Palace, qui est aussi un produit qui est donc un clown tout simplement, mais un clown terrifiant qui va emprisonner d'autres clowns parce que voilà, il a été vraiment abusé par les clowns qui étaient petits, qui ont fait plein de cauchemars, tout ça. Et on n'a pas de produit dérivé sur les clowns. Voilà, donc c'est vraiment dommage parce que c'est quand même un personnage qu'on voit dans les séries, qui n'est pas super important, mais qu'on voit. On l'a justement notamment dans le film. Et je me demande pourquoi dans le film ils l'ont intégré, ils n'ont pas intégré un produit dérivé quand il était populaire dans les années 90. Dans les années début 2000, parce que le monstre à tête c'est plutôt début 2000. Ensuite on a bien sûr le fantôme des Tales of Ghostbomb, Tale to Give You Ghostbomb, qui est aussi un personnage que j'adore, qui est pour moi super important. Ils ont juste fait un puzzle dessus que je vous ai présenté dans la vidéo sur les puzzles. Ils n'ont pas fait vraiment d'autres produits dérivés dessus. C'est un personnage qui méritait d'autres produits dérivés. Il y a eu justement des petits fantômes. Qui ont été dessus, mais il n'y a pas eu, par exemple, ça c'est Andrew, mais c'est pas vraiment des fantômes qui sont sur les Tales of Ghostbomb. Ensuite, un truc que je comprends pas, c'est qu'ils ont pas fait, ils ont pu faire justement ici le moniteur, donc Buddy de Jelly Jam, mais ils ont pas fait le monstre gluant de Jelly Jam. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait le moniteur ici et ils ont pas fait le monstre qui va avec. C'est quand même un monstre qui est dans la couverture principale, qui est dans l'histoire principale. C'est vraiment lui le monstre. Le Buddy, c'est juste quelqu'un qui va accompagner, qui va justement faire travailler les enfants pour qu'ils puissent nourrir son monstre, mais il n'y a pas eu de produit dérivé sur le monstre. Ensuite, un autre produit aussi qui n'est jamais sorti en France, mais qui est aussi important aux US, c'est l'Annihilator 3000, donc qui est apparu dans le film. Et encore une fois, ici, on n'a pas retrouvé de produit dérivé, donc c'est un genre de robot vraiment très très cool. Ça aurait été bien qu'ils fassent justement un petit robot qu'on puisse télécommander et jouer avec, tout simplement, le faire déplacer comme ça, de droite à gauche. Mais bon, ils n'ont pas fait ce choix-là. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait des choses à faire avec ce petit robot. Ensuite, on retrouve tout ce qui va être des méchants humains de personnages de la série, comme par exemple Ahmed, qui est aussi un personnage qui est dans la pyramide, donc dans la colère de la momie, qui est aussi un des méchants de cette série-là. Et il n'y a pas justement de méchants sur les humains, il y a juste voilà, le fantôme de l'auditorium, mais c'est un petit peu un garçon fantôme. Mais il n'y a pas de figurine humaine, à part, comme je l'ai dit, à part Jelly Jam, il n'y a pas de personnage humain en figurine, en personnage. Les plus, ce sont souvent des monstres ou des choses. Ce qui est vrai, c'est que la base de l'univers Ghostbomb, mais ils auraient pu mettre des méchants humains sur cette vidéo, que ce soit des cartes ou alors des posters, ce genre de choses là. Ensuite on a bien sûr Aragotus, qui est un méchant. Donc là on le voit avec Slappy dessus, mais ça, je sais pas s'ils ont fait des produits dérivés, parce que des fois c'est difficile à savoir si les produits dérivés que l'on a, c'est le prince Korou, ou alors c'est la momie de la colère de la momie, ou alors c'est d'autres momies. Donc il y a eu énormément de momies, donc ça, à la limite, c'est des personnages que on peut assumer comme des personnages qui sont des personnages qui sont, par exemple, là vous pouvez voir, ça on peut dire c'est le prince Korou, ça on peut dire c'est Aragorus, et ça on peut dire c'est une momie de la série. Donc on peut dire que il y a eu des produits dérivés, mais c'est pas forcément des produits dérivés qui ont été. D'ailleurs, les cris du monstre. Donc voilà, donc il n'y a pas eu forcément de produits sur cette momie là. Ensuite, on a un personnage aussi qui est la tante d'Alia, qui apparaît aussi dans une histoire inédite à la série télé. Donc il n'y a pas eu de livre dessus, c'est vraiment une histoire inédite. Une histoire vraiment très très étrange. J'ai bien aimé comment elle disparaît. Donnez-moi le petit fourmi. Ah,
Il y a eu juste une apparition dans le jeu Horror Town, mais il n'y a pas eu de produit dérivé sur elle, où elle était justement en train de peut-être de donner des choses aux enfants. Donc c'est dommage parce que c'est quand même un personnage emblématique d'un épisode spécial. Même chose avec un petit peu cette femme-là. Donc ça, c'est pas exactement qui c'est, mais je pense que c'est dans la Terreur au manoir, il me semble. C'est j'ai le petit présentoir là que je vous montrerai. Je pense que c'est la traduction française de ce livre-là. Et c'est vrai que ce monstre-là, ben en fait, c'est un monstre un peu un mélange de savant fou, Frankenstein. Et donc il n'y a pas eu de produit sur ça où on pouvait justement peut-être, je sais pas, j'ai peut-être des idées où on a le personnage et on lui met quelque chose dessus et elle se transforme. Des choses à faire comme ça. Il n'y a pas eu de vraiment de personnages sur même sur les vampires, il y en a eu très peu, on va le voir. Mais sur les vampires, il n'y a pas eu beaucoup de produits dérivés. Il y a eu des petites cartes, des petites choses comme ça, mais il n'y a pas eu vraiment d'objets plus importants, plus symboliques pour ce personnage-là. Même chose pour ça, là, de tout ce qui est maison, comme je l'ai dit, tout ce qui va être produit sur les maisons, avec les monstres qui sont dans les maisons, ça aurait été sympa de faire une maison comme un petit peu la Terror Tower Microverse, mais en version maison, où on a quelques monstres qui étaient dans des maisons, comme le fantôme décapité, ou alors ce monstre-là, qui sortent un petit peu des fenêtres et tout. Ça aurait été sympa de pouvoir faire ça. On a aussi, bien sûr, celui-là. Alors, c'est peut-être un personnage qui vient des États-Unis, mais je ne le connais pas en français. C'est Bialjos. Donc, c'est une sorte d'extraterrestre. Il a sûrement apparu dans des jeux vidéo. Donc, ça aurait été bien de faire, voilà, comme je l'ai dit, plus de produits dérivés sur les extraterrestres. À part l'œuvre de Mars que je vous ai montré ici, on n'a pas vraiment de produits dérivés sur les extraterrestres. On aurait bien aimé un petit robot comme ça qui puisse marcher. Et on aurait bien aimé un personnage humain en monstre. Bien sûr, le monster, donc le blob monster, donc qui est vraiment un monstre emblématique aussi de la série. Il y a plusieurs photos, j'aurais pu faire quand même peut-être un produit dérivé sur ce personnage là, qui est aussi un personnage qui est très très sympathique et vraiment très effrayant pour le coup. Ensuite, on a bien sûr le chien fantôme. Donc on a des produits dérivés sur Barking Ghost, donc le chien fantôme, mais c'est pas le même celui-là. Ils auraient pu faire peut-être un produit dérivé sur, déjà sur le produit du chien fantôme, il y en a eu très peu, il y en a que deux, il y a un petit pins et le teint crayon, mais sur celui-ci, ça aurait été bien de faire un justement, il est juste apparu dans Horror Town, mais il n'est pas apparu justement dans un produit dérivé quelconque. Ensuite, un monstre que j'aime beaucoup, du moins en apparence, c'est vraiment un monstre qui est issu de They Call Me The Night Owler, qui est des Slappy World. Un petit peu, ils auraient pu faire la même chose, voilà, avec les mains comme ça qui viennent te chercher et tout. Ça aurait été sympa, ça aurait été un produit que j'aurais un petit peu assimilé à au fantôme de l'auditorium, mais c'est vrai que c'est un petit peu en mode démon et tout qui vient comme ça avec ses mains. Ça aurait été très sympathique de pouvoir avoir ce type de produit là. Ensuite, bien sûr, toujours sur les extraterrestres, il existe aussi celui-là qu'on aurait pu aimer avoir en figurine et tout, de The Body Squeezers, qui est vraiment très 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 sympathique, que j'aime beaucoup, mais qui n'est jamais apparu en série télé. Je sais même pas s'il y a des produits dérivés sur lui, peut-être en italien, il y a eu un agenda, quelque chose comme ça, mais ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas eu grand chose. Après, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas faire beaucoup de produits dérivés sur tous les personnages, mais ils auraient pu en faire au moins un de chaque qui illustre bien le produit dérivé, même si c'est un jeton ou un pins, ça aurait été sympathique de le montrer. Ensuite, on a tout ce qui va être le fantôme invisible. Alors là, c'est vrai que c'est difficile de faire un produit sur quelque chose d'invisible, mais ils auraient pu faire tout simplement une figurine où on a juste les chaussures et la casquette, un petit peu comme cette photo-là, où on a juste ces éléments-là, et on aurait pu distinguer du coup c'était le fantôme invisible et le faire tenir par un petit fil ou quoi. Ça aurait été sympathique d'avoir ce produit-là.
ce serait très original pour le coup, même s'ils auraient voulu juste le mettre transparent et juste avec la casquette et les chaussures et les gants, donc ça aurait été très sympathique de pouvoir l'avoir. Sur The Evil Knight, le chevalier noir, on n'a pas de personnage. Le monstre debout, qui en a eu beaucoup de... On a eu beaucoup de produits dérivés sur le... Explore a gripping Goosebumps adventure this way.